Donc il y aura des œufs et du blanc de poulet. C'est pas juste. Si, c'est juste. J'espère que vous allez bien ensemble. Le 1er novembre. Bon, mois de novembre. Tu fais quoi? Je disais, nous sommes le 1er novembre. Bon mois de novembre. Bientôt la fin de l'année. Dans 2 mois. Dans 1 mois et 3 semaines. Dans 2 mois. Bref. 9h46. Ruben a déjà faim. Mon mari est en train de préparer une salade de concombre, petit pois, maïs, je ne sais pas tout ce qu'il va trouver à la cuisine. Moi, je viens de prendre ma douche. Je pense que je vais commencer à faire du montage. Parce que j'en ai quand même beaucoup de petites choses à faire. Du bricolage. Bref, je vous embarque dans cette nouvelle journée avec nous. Je suis un peu fatiguée, j'ai trop dormi. Quand je dors trop, je suis fatiguée après. Ça m'a fait du bien de faire une petite grasse matinée. Pas de lunchbox à préparer aujourd'hui. Bon, après, j'ai dormi tard. J'ai dormi 2 heures, je pense. Donc, normal. Je vais faire une petite grasse matinée. Eh bien, tu as faim? Ouais, je vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour moi d'attendre la salade. Je fais montage. Des œufs et du blanc de poulet. Tu as mis des nouvelles feuilles là-bas dans le thé? Non, moi j'ai juste appuyé. Oh Jésus Christ. C'est pour vous que je fais ça. C'est parce que je me dis que vous aimez grignoter. Tu vois? Si vous me dites que vous n'allez plus grignoter, ben moi j'arrête aussi de faire tout ça. C'est parce que s'il faut acheter tout le temps des trucs de chez Casino, ben ça revient cher. Et pourquoi tu vas acheter de chez Casino? Mais on va acheter ça au secours de l'équipe. Oh Jésus-Christ, les nouveaux cuisiniers. Elle est salée. Goûte quand même. Elle n'est pas salée. Si, elle est salée. Non, elle n'est pas salée. Oh, je vis, elle est salée. Non, elle n'est pas salée. Elle est très bien salée, mm-hmm. Beaucoup même, trop. Oh, Jésus-Christ, avec compassion. Je m'en vais. Ça prend trop de temps, ce dressage. Et voilà pourquoi il est toujours joli et très bon la dégustation. C'est un simple dressage. On ne mange pas le dressage, on mange le contenu. Eh bien, les yeux doivent d'abord apprécier. Et. Et quoi? Et après, l'estomac sera satisfait. Je vois flou, pourquoi? Tu as les lunettes, c'est pourquoi? Vous les portez quand non, c'est vrai, c'est pas salé pour toi. Comme ça, j'ajoute un peu. Mmh, un peu, c'est pas salé. Ruben, tu vas pédaler jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 10h. Ok. Il est quelle heure? Il est 10h. Oh. Il est 10h04. D'accord. It's ready. Donc, il y a maïs, petit pois, oignons, concombre, tomates, c'est ça? La tomate est en dessous, oui. Poulet, œufs, raisins secs, bref, on va bien manger. Poivron. Avec du thé. Maïs. Ah, oui, poivron. Petit pois en dessous. J'ai déjà dit. Nous, on va se régaler. Tu vas te laver les mains.
On va manger, on va manger. On a faim. Dépêche-toi. On a faim. Regarde, là, la femme paraît plus vieille. Hein? Hein? 96. Que je vienne. Perce d'abord. Mmh. Donc là, tu vas chercher une latte derrière. Mmh. Tu vas seulement couper avec la planche. Hein? Pour couper une planche, tu vas mettre une latte plus grosse, ça va prendre de la place. Non, je pensais que tu allais prendre seulement une latte légère derrière là-bas. Non, elles sont légères mais épaisses. Est-ce que vous entendez le bruit? Il y a beaucoup de bruit. Ça me donne des maux de tête. C'est mon mari qui est en train de continuer les travaux. En fait, on est en train de continuer les travaux de la cuisine des locataires parce qu'on n'avait pas terminé. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Comme il y a un long week-end, ben, on s'est dit qu'aujourd'hui, vendredi, si on pouvait terminer la cuisine, mais je pense qu'il va nous manquer des planches, malheureusement. Donc, on va faire une partie et puis l'autre partie, on va voir si on va la compléter. Robin est en train de faire ses devoirs. Sauf qu'on lui demande, il est allé prendre ses cahiers pour faire ses devoirs. Donc tant mieux. Moi, je suis en train de faire du montage. J'ai pas la cuisine à faire, mais je pense que je vais quand même faire. Je sais pas. Non, je suis fatiguée. J'ai pas envie de faire la cuisine aujourd'hui. On fait la cuisine à faire aujourd'hui. On va voir demain. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire du montage. J'ai même mal à la tête. En fait, je sais pas si c'est parce que je me suis réveillée. J'ai trop dormi. Aujourd'hui, j'ai pu faire. Je vous ai dit, j'ai fait la grasse matinée. Je suis trop contente. Sauf que. L'envers du décor, c'est que quand je fais la grasse matinée, ben, mon corps est plus fatigué. Et là, je commence à avoir des maux de tête. Oui. Moi, je préfère me réveiller tôt et ensuite faire une petite sieste, même de 30 minutes dans la journée, au lieu de me réveiller tard et de commencer ma journée tard. Le fait de beaucoup dormir, ça me fatigue énormément et après, j'ai des maux de tête. Bref, c'est pas grave. Je vais continuer le montage et puis... On continue la journée. Tu n'avais pas mis dans l'eau, c'est bien. Hein? Une bouteille dans l'eau. C'est le bouche-corps. Et maman, pourquoi tu te moques de maman? Parce qu'elle apprend à mettre le bouche-corps. Elle n'a même pas besoin d'apprendre. C'est une grande personne. Hein? Il fait chaud. Il fait trop chaud. Vraiment, il fait chaud. Et l'électricité est partie. Coupée. Il est parti en promenade. Oui, le courant est parti se promener, on ne sait où. C'est pas normal. Un jour férié. Il est parti en France. C'est pas gentil, ça. Et nous, on fait. Il est parti au bout du monde. Oui. Et nous, on fait comment, là? Hein? Je sais rien. Comment l'électricité peut partir au bout du monde? Nous, on fait comment? Comment? Oui. Comment? Il est un aventurier, le bourreau. C'est un aventurier? C'est pas gentil, ça. Il ne reviendra pas avant une semaine. Sans effet, Ruben. Annule cette parole. Dépêche-toi. Annule. J'écrase cette parole. Je la piétine. Je l'annule. D'accord, mais comment je fais? Ruben, annule ta parole, dépêche-toi. Je l'annule au nom de Jésus. L'annule au nom de Jésus. Voilà. Faut pas dire des mauvaises choses comme ça. D'accord, mais comment je vais passer des... Ruben, faut pas dire des mauvaises choses, au point. Je t'ai toujours dit, on ne dit pas de mauvaises choses. Pourquoi tu dis seulement un mot? On ne dit pas de mauvaises choses. Mais si j'écris un mot, le pilote est un avion.
Heureusement que j'avais déjà commencé le montage. Là, je suis en train de d'uploader sur YouTube. Comme ça, c'est fait. Maman, je suis encore moi. Je suis encore en train de graver le montage. C'est pas un gâteau. C'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Tu peux monter? Oui, voilà pourquoi je fais de l'espace parce que je sais que j'arrive à monter de moi. Vas-y, prêt. Salut, monsieur dame. Faut bien mélanger les ingrédients. Attends. Là, tu ne mélanges plus, d'accord? On attend. D'abord, il faut. C'est quoi? Du lait? Et c'est moi qui mélange. Doucement. Doucement. Vas-y, mélange. Après, ça va faire de la pâte très collante. C'est ça, maman? Oui. C'est la pâte. Tu as vu, ça n'a pas de goût. Vas-y. Monsieur, mais... Vas-y, couille. Non, 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 un peu plus fort. Encore. C'est bon. C'est bon. Presque. C'est mieux que la dernière. Ok. Attends. Il n'y a plus qu'à la cuire. Bon, maintenant tu peux repartir de ça. J'ai fini. Je vais laver. Non, 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 non. C'est pas juste. Si, c'est juste. Non, non. C'est juste. Non, Ben. Pourquoi? Parce que. Des arachides aussi, peut-être que ça va. Ça va nous faire du bien. Préparer les crêpes. J'espère que la recette sera bonne. J'ai pris la recette sur ma montant. J'espère en tout cas que ça va donner quelque chose de bon. On l'espère, on l'espère, on l'espère. Regardez, les crêpes sont prêtes. J'ai fait des arachides sucrés et à la confiture de fraises. Et voilà. Bon, est-ce que je vous ai plus repris de la journée? Yes, je vous ai plus repris. J'ai eu très mal au niveau de mon dos. Je ne sais pas si c'est mon dos, si c'est mon tour de taille, si ce sont mes hanches. Bref, je ne sais pas. Mais j'ai eu très mal. Donc, je suis restée allongée pendant un moment, pendant longtemps même, puisque c'est mon mari qui a réchauffé la nourriture et qui a frit la banane qu'on a mangée. Après, j'ai pris ma douche. Et voilà, je me suis fait des valises. Et j'ai mis du temps aussi au téléphone avec ma soeur. Voilà. Donc, je ne vous ai plus repris. Et là, je vais m'apprêter à dormir parce que demain, il y a encore des travaux à faire. Mon mari a mis du vernis sur les portes de la cuisine des locataires. Donc, je pense que demain, on va installer ça. J'espère que demain, on pourra installer. En tout cas, on espère. Demain, on a encore beaucoup de travaux à faire. Mais bon, voilà, ça au moins, c'est fait. On a mis vernis, tout et tout. Donc, demain, on va aller juste poser ces portes-là. Et puis, je pense que lui, il va aller percer parce que mon mari a dit au monsieur, donc nos voisins, les locataires, il a dit au monsieur, c'était pas bon qu'on puisse,
pense qu'il puisse percer les murs, non pas percer les murs, c'est même pas percer les murs, utiliser un marteau en fait pour mettre par exemple les rideaux, pour mettre la télé au mur. Donc ça, c'est mon mari qui va le faire avec la perceuse. Donc demain, il a ça aussi à faire normalement. Placer le... Comment est-ce qu'on appelle ça, le truc de rideau là? Ah, j'ai oublié le nom. Bref, il est 22h, donc je suis fatiguée. Donc il a ça aussi à faire. Tu vois, le porte-rideau. Ah, je sais pas, la planche pour placer le rideau. Voilà, c'est ce qu'il doit placer chez les locataires. Et puis placer le truc de la télé aussi. Qu'il fasse ça avec la perceuse pour éviter d'avoir des trous bizarres dans la maison. Pour que ça soit bien fait. Donc voilà, beaucoup de choses à faire quand même, tout en sachant que je viens à Taekwondo demain à 15h. J'entends le bruit du ventilo, je pense. Il fait très très chaud. Très chaud, alors qu'il a plu. Ah oui, nous, chaque 1er novembre au Congo, il pleut. Je ne sais pas c'est quoi cette logique, mais chaque 1er novembre au Congo, il pleut. Que ce soit une petite pluie ou une grande pluie, que ce soit le matin ou dans la journée ou dans la nuit, bref, il pleut toujours le 1er novembre. Et ce matin, c'est ce que je disais à mon mari, chaque 1er novembre, il pleut, il va pleuvoir. Il dit, ah, non, ça c'est quelle coutume ça. Et ça n'a pas raté, il a plu vers 17h. Voilà, chez nous c'est comme ça. Bref, écoutez, je vais clôturer cette vidéo. Je vais aller m'allonger, dormir. En tout cas, que Dieu soit avec vous, comme dit souvent ma mère. Ma mère, quand on finit de causer au téléphone, et elle nous a tellement contaminés, nous aussi on le dit toujours. Bref, que Dieu soit avec vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je l'espère.